parti pour un nouveau voyage. Rouen est surnommée la ville aux 100 clochers, mais nous, ce qu'on aime le plus, en fait, c'est se promener dans les petites ruelles avec les maisons à colombages et les petites boutiques qui sont vraiment trop jolies. Ici, on est dans la rue des Antiquaires et c'est magnifique. Qui est la plus grande cathédrale de France, mais également pour le gros horloge qui se trouve juste derrière moi. En fait, on est à Rouen pour un événement très spécial qui n'a pas eu lieu depuis 6 ans. Nous sommes à l'Armada, c'est un rassemblement de voiliers, et comme vous voyez derrière moi, les voiliers sont immenses. Les voiliers sont ouverts au public pendant l'Armada, donc en fait, toute la journée, on peut visiter les bateaux. Et là, du coup, on va essayer d'en visiter un maximum ce matin, tant qu'il n'y a pas encore trop de monde. C'est vraiment impressionnant de se dire que ce genre de bateau, ils naviguent encore en pleine mer. Ils sont énormes. Ce sont des vieux voiliers qui ont été restaurés. Celui-là, par exemple, juste derrière moi, c'est là où on était monté tout à l'heure. Bah, il date de 1918, donc il a plus de 100 ans. Je suis arrivé tout en haut du panorama XXL et la vue est impressionnante. Les quais de Seine, et là en fait on est revenu dans le centre historique parce qu'on va assister à un spectacle assez particulier. C'est une projection directement sur la cathédrale, donc ça va être la première fois qu'on assiste à ce genre de projection, donc on a hâte. Allez, c'est parti.